Salutations spéciales pour mes amis, mais c'est un plaisir pour qu'ils soient capables de rencontrer encore jeudi, qui c'est samedi 25 septembre, pour nous introduire ensemble non seulement la leçon École Sabanabien pour nous étudier pendant la semaine, mais pour nous introduire tout nouveau trimestre là. Et pendant que nous allons étudier ensemble, il y a des qui portent la vérité présente dans le Deutéronome. C'est le quatrième trimestre pour l'année, quatrième et dernier trimestre là. Nous avons l'autre orientation spirituelle et fois ça, nous allons aller dans le livre de Théonome. Mais bien avant même que nous entrions dans l'introduction de la semaine, nous prions le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on a réalisé dans la vie. Tandis que nous allons introduire la première leçon que nous avons gagnée pour le trimestre. Aidez-nous pour que nous comprenions davantage et mettez en application la parole. Nous faisons grâce dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je voulais remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous même été déjà consenti pendant trois premiers trimestres pour nous étudier chaque jour le son de l'école du sabbat. Maintenant, nous arrivons dans le dernier trimestre pour l'année. Nous avons l'autre guide d'études. Mais nous voulons encore une fois de plus remercier l'effort que vous même ou consenti déjà pendant trois trimestres qui écoulés. Et merci pour fidélité envers Chanel là. Et nous encourageons encore dans le dernier trimestre pour l'année pour que vous soyez capable toujours être connecté chaque jour ensemble avec nous pour capable étudier les leçons de l'école du sabbat. Il y a un peu de monde qui a suivi nous chaque jour mais qui t'a aimé abonner mais malheureusement qui pas connaît comment pour le faire. Eh bien, vous pouvez aller et pendant que vous regardez vidéo en bas vidéo vous pouvez marquer s'abonner et bien vous cliquez sur lui et par la suite là vous pouvez là-bas où il y a une petite cloche à bas trois options. Et là-bas option toutes, là-bas où personnaliser et puis là-bas où aucune. Eh bien, vous mettez les sous toutes. Ça permet que chaque fois nous partageons une leçon École Sabbat sur Chanel là, vous avez une possibilité pour capable joindre directement sur téléphone. Jacques nous dit là, ce maintenant, nous avons une première leçon pour le trimestre là. Et guide d'études que nous allons aller ouais, ensemble pendant le trimestre, c'est la vérité présente dans le Deutéronome. Et ce guide d'études, ça, il y a un guide d'études qui va le centrer sur le livre de Deutéronome là, qui c'est une dans cinq livres que Moïse écrit. Eh bien, dans cinq premiers livres qui sont dans la Bible, et lui-même c'est le cinquième, eh bien, c'est lui nous allons gagner tout au cours du trimestre pour que nous soyons capables de développer ensemble et Deutéronome. Il vient de un mot latin qui est Deutéronomium, qui veut dire deuxième loi, et qui est le cinquième livre que nous joignons dans la Bible. Et leçon semaine, et c'est leçon 1. Nous allons commencer à étudier depuis aujourd'hui, qui est samedi 25 septembre, pour nous arriver vendredi qui a pas 1er octobre. Là. Et thème leçon semaine, là, c'est introduction au Deutéronome. Introduction au Deutéronome, c'est leçon ça n'a bien pour nous étudier ensemble pour semaine. Là. Et texte qui va servir nous comme texte central dans le cadre d'étude ça, Ésaïe 14, verset 12 à 14, Ézéchiel 28, verset 12 à 17, Genèse 3, verset 1 à 7, Genèse 12, verset 1 à 3, et Actes chapitre 7, verset 20 à 36, Exode chapitre 19, verset 4 à 8. Ces textes avec quelques autres encore, on a bien pour nous, dans le cadre d'études pour semaine. Et verset pour nous mémoriser, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 8. N'appelez pour vous, dans la version créole, là, il dit comme ça. Moun ki pa gen remen nan kè yo, yo pa kont bon Diye paske bon Diye se remen menm. Moun ki pa gen remen nan kè yo, yo pa kont bon Diye paske bon Diye se remen menm. Se tek sa nou genyen pou nou memorize nan kade etudan pou semen nan. E nan introduksyon leson an, yo le fèn kompran, liv de Deutéronom nan, li te redije nan yon konteks ki byen determine. E se konteks sa jwenn yon rol, important pour nous comprendre livre ça et événement qui dans livre là et objectif principal livre là même en pile bagaille était déjà produit avant même que livre de Deutéronome là l'était écrit et fait historique a permis non seulement comprendre circonstances qui fait livre là lui-même l'était écrit mais il a fait nous comprendre tout époque là qui ça qui était dominant durant époque ça il apparaît difficile pour nous comprendre utilité et fonctionnement de yon essuie-glace et en dehors du contexte de yon machine. Et de la même façon, l'étape difficile pour nous arriver à comprendre livre de Deutéronome, notamment thème étude trimestre là, qui c'est Deutéronome et la vérité présente en dehors du contexte que livre là lui-même
li te ekri a. Et ben yon jou yo te mande avec et ben yon moun ki te li yon roman ki yon risk ekri ki se Leon Tolstoy, yon liv ki gen environ 1500 page. Et ben moun nan te li seulement nan 3 jours. Et ben le yo te mande ki sa li comprendre et ben de liv sa, et ben li di a liv sa li te parle de la Russie. Et ben nou aborde pendant yon semaine seulement et ben liv sa ki se Deutéronome. Eh bien, c'est presque fait même bagarre avec moun sa qui te li roman pendant 3 jours mais qui pas retenu en rien là dedans. Mais là nous concentrer nous sur point essentiel yo qui gagne dans livre ça n'a pas capable eh bien gagne un aperçu du contexte et dans contexte livre ça lui-même il était écrit et ensemble de vérité qui nous joignent dans livre ça et la permettre nous mieux comprendre parole qui en dans eh bien livre ça. Eh bien en gros c'est introduction, leçon semaine 1, leçon n'a bien pour nous étudier pendant toute semaine 1, qui c'est leçon 1, introduction au Deutéronome. Avant même que nous partions, nous prions le Seigneur. Merci Éternel, notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous capables de mettre les paroles en application et nous allons traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Aidez-nous pour que pendant le trimestre, nous allons arriver à comprendre le livre ça et mettre les paroles en application. Nous allons mériter même pour concerner nos Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne semaine, bon trimestre et que Dieu vous bénisse.